Bonjour à tous et bienvenue ici dans la ville de Tchon, où nous sommes en ce jeudi 28 avril 2022. Cette journée va rester gravée dans les mémoires parce que c'est une journée historique. L'Institut supérieur de formation aux professions immobilières a signé tout à l'heure une convention de partenariat de tutelle académique avec l'Université de Tchon. Cette signature va faire en sorte que ces deux écoles marchent désormais main dans la main pour former les Camerounais aux professions immobilière. Dans ce magazine, nous vous donnerons les détails sur cette convention qui va venir changer la vie de plusieurs jeunes Camerounais. Un partenariat fructueux, une signature qui entre dans l'histoire. L'Institut supérieur de formation aux professions immobilières et l'Université de Tchon signent une convention de tutelle académique qui réjouit l'administration de cette université d'État. Je suis particulièrement honoré par cette signature qui vient élargir la liste des IPES qui font confiance à l'Université de Tchon dans la perspective de leur accompagnement dans la formation des jeunes Camerounais. Parce que, comme vous le savez, les étudiants des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur, sont les étudiants de l'Université de Tchon. Donc, quand vous nous faites confiance, ça veut dire qu'en fait, nous devons accompagner les étudiants de IFTI Sud au niveau des différentes formations, des différentes filières qui ont été sollicitées, et c'est avec plaisir. Ce sentiment de bonheur est perceptible sur le visage du promoteur de l'IFPISUP, l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières. Un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement, un sentiment, n'est-ce pas, de reconnaissance, n'est-ce pas, de la communauté universitaire, du travail que nous avons commencé à faire depuis 2015 en formation professionnelle et qui aujourd'hui permet, à travers cette convention, d'aller au-delà. Cela se fait à la suite de l'agrément que nous a accordé le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, qui nous a autorisé à ouvrir les cycles BTS. Or, cette année, justement, nous allons présenter nos premiers candidats au cycle BTS profession immobilière. Il était question de se demander, de répondre à la question de savoir que feront nos apprenants, nos étudiants l'année prochaine. Il faut qu'ils continuent en licence ou un peu plus loin. C'est pourquoi nous avons été heureux que Tchon accepte notre programme, nos différents programmes qu'on a proposés. Cette convention va donner plus d'importance aux formations dans le domaine immobilier au Cameroun. Lorsqu'on parle de l'immobilier, mesdames et messieurs, on parle de la vie. On parle de la nature et quoi de mieux qu'un endroit pareil, un endroit pittoresque comme ce lac, ici dans la ville de Tchon pour parler des questions immobilières. Vous constatez avec moi que le décor est beau, le décor est féerique et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette ville pour présenter ses différents atouts. Et parmi ces atouts, il y a évidemment ce lac municipal, même s'il est artificiel, de la ville de Tchon, et ce musée qui est ici dans cette ville située dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun. Pour arriver à construire ces différents chefs-d'œuvre, il a fallu que des spécialistes, des professionnels de l'immobilier s'asseyent, réfléchissent, trouvent des solutions idéales et ces solutions ont été trouvées. Admirez la vue, admirez le paysage, mesdames et messieurs, le spectacle est assez alléchant. Et pour comprendre ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau, il faut venir se former à l'IFPISUP, c'est l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières.
La formation dans cette école offre des compétences dans plusieurs filières, notamment les professions immobilières, le droit foncier et domanial, le droit des affaires et de l'entreprise, l'assistance judiciaire. Des formations aussi dans les domaines ci-après, agent immobilier, syndic de copropriété, promoteur immobilier assistant, promoteur immobilier expert, responsable d'immeuble, communication immobilière, gestionnaire locatif, évaluation immobilière, assistant de syndic de copropriété et technicien en évaluation immobilière. Les autres formations arrivent après la signature de cette convention. Programme de licence profession immobilière avec trois grandes options. Option gestion et transaction, option comptabilité, finance et autres, et puis l'option aménagement des parcelles. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Il y a, qu'on a ajouté à ça, une licence en décentralisation et aménagement des territoires qui également nous convient parfaitement par rapport à nos objectifs. Et à côté de ça, nous avons la licence en droit foncier domanial et la licence en droit des affaires et des entreprises. Donc vraiment, nous sommes certains que tous nos apprenants, tous nos étudiants de l'IFPSUP aujourd'hui, qui sont au BTS, vont trouver, n'est-ce pas, chaussures à leur pointure en licence. Donc, ça nous offre également quelque chose de formidable, dans la mesure où ces licences sont faites pour recevoir à la fois des gens qui ont fait des DUC, donc des diplômes d'études universitaires, et qui ne se sentent pas à l'aise d'aller continuer dans les filières où elles étaient. Elles peuvent venir continuer avec l'IFPI, avec les licences qu'on vient ici d'ouvrir, pour lesquelles on a signé les accords avec l'Université de Tchang. Il y a également ceux qui ont eu les licences déjà et qui estiment qu'au vu de la conjoncture, ils veulent apprendre les métiers d'immobilier. Au lieu de rentrer en première année, ils vont simplement revenir s'inscrire en licence chez nous et les parcourir, et ça fait une jolie ouverture juste avec un petit retour. Donc je dis que c'est une opportunité pour le pays. L'Université de Tchang est déjà la tutelle académique de plus de 50 instituts privés d'enseignement supérieur et ce nouveau partenariat n'est pas anodin. Nous avons déjà une expertise en la matière au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Tchang. Il y a un certain nombre de départements, notamment le département de droit privé, qui forme les étudiants en matière immobilière. Il y a aussi une formation professionnelle en droit foncier et domanier qui fait aussi dans cette formation-là. L'autre raison, c'est que les formations en matière immobilière ne sont pas très courues. Ce sont des formations, de mon point de vue, innovantes qui viennent justement élargir le cercle des différentes offres de formation qui sont présentées dans le cadre des instituts privés d'enseignement supérieur. Le choix de l'Université de Tchang, l'une des meilleures au Cameroun, n'a pas été fait au hasard par l'IFPSUP. Tchang, c'est déjà sa renommée. Tchang, c'est son CIE. Tchang, c'est les formations qu'elle offre déjà avant que celles que nous venons de demander, parce qu'elles sont proches de ce que nous faisons. Tchang fait des formations en droit foncier et domanial, même si c'est au niveau master. Tchang offre des formations de master dans le secteur immobilier. Donc du coup, ils avaient une idée de ce que cela représentait. Mais Tchang également a des facultés de sciences économiques et gestion et est attaché à des instituts de beaux-arts, tels que les beaux-arts de Fuman. Donc les métiers de l'immobilier prennent en compte toutes ces préoccupations-là. Donc pour nous, c'est bien de venir à Tchang parce que nous avons réponse à toutes nos questions. Que ce soit les questions de construction, les questions d'architecture, de conception et tout le reste, et des questions de droit. Donc en même temps que les questions économiques. Tchang était la meilleure université qu'il fallait cibler. Et c'est d'ailleurs la seule que nous avons ciblée. Hein, et elle nous a donné son avis favorable. C'est tout à notre. L'immobilier, c'est un secteur qui ne s'encombre pas des incompétences ou bien des choses qui ne sont pas organisées. L'immobilier relève d'une activité ou bien d'un secteur tellement délicat
qu'à chaque fois qu'on avance, il faut s'évaluer avant de continuer. Nous avons l'habitude de l'évaluation, l'auto-évaluation. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons avant l'Université de Caen un partenaire qui est l'IMSI de Paris, de France, l'Institut de Management des Services Immobiliers de France, qui s'est inscrit dans la même perspective depuis 3 ans. Nous sommes en train d'aller vers une évaluation avec l'IMSI de France. Donc, nous sommes habitués aux évaluations de partenariat avec, ceux qui acceptent de nous accompagner. Donc, que le monsieur le recteur le dise, ce n'est que normal. Avant l'évaluation, au bout des 3 ans, nous aurons des mini-évaluations annuelles pour s'assurer que nous allons dans la même mouvance et surtout que nos produits vont répondre aux standards du marché. Pour assurer la notoriété de cette école et le respect des termes contenus dans l'accord, des contrôles seront faits. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, qui a reçu certainement les hautes instructions de Monsieur le président de la République, a mis un accent particulier sur la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance universitaire qui comporte effectivement plusieurs dimensions, la dimension académique, la dimension managériale, la dimension financière. Le contrôle visera effectivement à s'assurer que cette nouvelle gouvernance est effectivement appliquée au niveau de ces instituts privés d'enseignement supérieur. L'IFPISUP dit être prêt à ces contrôles auxquels il est d'ailleurs habitué. Nous sommes habitués déjà aux règles. L'immobilier, c'est un secteur qui ne s'encombre pas des incompétences ou bien des choses qui ne sont pas organisées. L'immobilier relève d'une activité ou bien d'un secteur tellement délicat qu'à chaque fois qu'on avance, il faut s'évaluer avant de continuer. Nous avons l'habitude de l'évaluation, l'auto-évaluation. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons avant l'Université de Caen un partenaire qui est l'IMSI de Paris, de France, l'Institut de Management des Services Immobiliers de France, qui s'est inscrit dans la même perspective depuis 3 ans. Nous sommes en train d'aller vers une évaluation avec l'IMSI de France. Donc, nous sommes habitués aux évaluations de partenariat avec, ceux qui acceptent de nous accompagner. Donc, que le monsieur le recteur le dise, ce n'est que normal. Avant l'évaluation, au bout des 3 ans, nous aurons des mini-évaluations annuelles pour s'assurer que nous allons dans la même mouvance et surtout que nos produits vont répondre aux standards du marché. Ces assurances démontrent que les formations offertes par l'IFPISUP sont de qualité et les doutes ne sont plus autorisés. L'État est organisé comme une entreprise et qui tient compte du volet patrimoine et du volet immobilier et du volet planification. Donc c'est tout cela que nous faisons à l'IFPI et nous disons à tous les Camerounais, tous les jeunes qui un temps soit peu doutaient encore de ce que le secteur immobilier était un secteur porteur, de se dire simplement que si un secteur dans les pays bien organisés porte plus de 12% du PIB, il faut s'interroger. Ça veut dire en France, je dirais pour le cas de la France, que le secteur immobilier draine au bas mot 5000 métiers. 5000 métiers, je n'ai pas dit 5000 emplois, j'ai dit bien 5000 métiers. Voilà, donc ça dit ce que ça veut dire. Et avec la décentralisation que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est alors formidable. Toutes les mairies, toutes les communes doivent se doter, n'est-ce pas, des professionnels capables de les accompagner dans l'aménagement de leur territoire, dans les projections, dans la gestion de leur marché, dans la gestion de leur HLM, donc les immeubles, les habitats à loyer modéré, donc ce que vous appelez les cantiques et tout le reste. Donc ils auront besoin des gens pour le gérer et ces gens-là sont des gens formés. Ils vont se former où? C'est à l'IFPISUP, bien sûr. Les débouchés offerts par ces formations sont nombreuses pour les étudiants camerounais et étrangers qui sont invités à faire le bon choix. Dans quelques minutes seulement, on va achever ce voyage qui a commencé ici, dans la ville de Caen, la capitale du département de la Ménois, dans la région de l'ouest du Cameroun. Cette ville a accueilli ce jeudi 28 avril 2022 la signature de la convention de partenariat pour la tutelle académique entre l'Université de Caen, dont l'une des entrées se trouve ici, et l'IFPISUP, dont le siège se trouve dans la ville de Yaoundé. Mesdames et messieurs, un avenir important attend ces deux grandes institutions qui se sont engagées à marcher main dans la main pour la formation des professeurs
professionnels immobiliers au Cameroun et on espère que ces professionnels vont aussi contribuer à l'édification des monuments tels que ceux que nous voyons ici dans cette ville cet après-midi. On vous dit merci d'avoir écouté ce magazine spécial et on se retrouve dans nos prochaines éditions.